Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire de démo de la ressource numérique Silence. Je suis Célia Le Salle, la cofondatrice de la ressource. Lors de ce webinaire, on va voir toutes les fonctionnalités relatives à la plateforme qui vous accompagnent dans la création et la gestion de tous vos projets audiovisuels, de l'idée à l'écran. Silence est né d'un programme qui s'appelle Fais ton film, qui vise à rendre le cinéma accessible à toutes et tous. Et de ce programme est décliné différents formats. Donc le premier format, donc notre format historique, c'est l'atelier Fais ton film, qui vise à accompagner les structures enfance et jeunesse, donc qui vise à accompagner les enfants et les adolescents du CP à la terminale dans la création et la gestion de leurs projets. Ça, c'est un programme qui est en présentiel, donc on se déplace dans les structures enfance, donc ça peut être des centres de loisirs, ça peut être en périscolaire, donc dans les établissements scolaires, dans l'accueil du soir ou du midi. Et on réalise des projets audiovisuels, donc ça peut être des courts-métrages, des reportages, on a fait aussi des captations. Donc l'objectif, c'était de réaliser des contenus avec les participants. On s'est rendu compte après, au moment du confinement où tous nos projets ont été stoppés, que c'était dommage que l'on ne puisse pas poursuivre le travail et que les enfants ne puissent pas, par exemple, écrire leur scénario ou même les animateurs qu'on ne puisse pas écrire leur scénario à distance, même préparer le tournage en prévision d'un tournage à venir. Et c'est là qu'est né le projet de Silence, qui est en fait la retranscription de tout ce qu'on fait en atelier dans une plateforme, dans une ressource numérique, qu'on a voulu simple et accessible à toutes et tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière de pouvoir la présenter et de pouvoir vous permettre de la tester dans un premier temps si vous le souhaitez et de l'utiliser avec vos élèves. Pour cette démo, je vais utiliser un enseignant qui s'appelle Jean Robin et qui utilise la ressource avec ses élèves. La plateforme Silence, elle est composée de trois parties que vous voyez sur votre gauche. Donc là, vous êtes sur le plateau, donc la page d'accueil. Donc une fois que vous allez, la première connexion à Silence, vous allez atterrir dans cette page, qui est votre plateau. Donc votre plateau, c'est l'endroit où vous voyez d'un coup d'œil où sont les projets en cours. Donc là, par exemple, pour mon enseignant, donc il a deux projets en cours. Un projet qui s'appelle projet de film, avec un groupe, et un autre projet qui s'appelle Projet de film 2023-2024, avec cette fois-ci deux groupes. En revenant, comme je vous l'ai dit, trois parties. La première partie, atelier. Là, on vous met à disposition des ressources, des ateliers, donc on appelle des ateliers, ce sont des cours en fait, pour vous aider à apprendre comment faire un film de fiction, un série vidéo, une web télé. On va mettre des ressources à votre disposition au fur et à mesure. Mais là, vous avez déjà 4, 5, 5 ateliers de disponibles. Tous les ateliers sont composés de la même manière. Donc là, par exemple, je vais dans film de fiction. Vous avez toujours, ça diffère en fonction des formats, parce qu'évidemment, un projet de web télé, ce sera moins conséquent qu'un projet de film de fiction, par exemple, parce que vous n'allez pas avoir toute la partie, par exemple, écriture, ou très plus réduite. Mais dans l'idée, vous avez toujours des parties qui vont de l'introduction jusqu'au montage. Et parfois la diffusion. Donc là, vous voyez dans le chapitre écrit ton scénario, on a les séquences, les dialogues, la musique.
Dans la partie prépare ton image, vous avez l'échelle des plans, l'angle de la caméra, la stabilité. On a voulu vous traiter le maximum pour que vous puissiez connaître toutes les notions de comment on prépare un film, de même de l'idée jusqu'au montage. Dans chaque chapitre, vous avez un certain nombre de ressources. Vous avez une vidéo, vous aurez une vidéo qui fait toujours moins de 15 minutes pour ne pas perdre l'attention des élèves, mais aussi de la vôtre, parce que l'idée, c'est qu'on puisse découvrir une notion en très peu de temps. Donc voilà, en moins de 10-15 minutes, vous avez une vidéo qui va à l'essentiel et qui est percutante. Vous avez sur la gauche les essentiels du chapitre. Donc, par exemple, à 51 secondes, j'ai comment remplir ma feuille de service et à 3 minutes 6, j'ai pourquoi la remplir. J'ai également dans chaque chapitre, on vous met à disposition un récap. Donc, une fiche récap qui reprend les essentiels du chapitre. Donc là, j'ai une fiche récap sur la feuille de service qui reprend à quoi ça sert, dans quelle mesure je vais l'utiliser et comment la remplir. Et le chapitre par écrit, c'est le script de la vidéo. Si jamais vous ne souhaitez pas regarder la vidéo ou vous l'avez déjà regardée, mais vous ne souhaitez pas la regarder une deuxième fois, vous avez la possibilité de télécharger le script de la vidéo et de l'enregistrer dans votre ordinateur. Dans certains chapitres, on a ajouté des ressources complémentaires, comme par exemple dans le chapitre sur la thématique, où on vous a mis quelques idées de thématiques à aborder avec vos élèves, ou le chapitre sur l'échelle des plans, où on vous a mis un document PDF qui reprend les différentes échelles de plans et comment en fait sont filmés, enfin comment, quelles sont les échelles de plan et dans quelle mesure on doit les utiliser. L'objectif à travers les ateliers, c'est de vous accompagner pas à pas dans la création de votre projet. Et une fois qu'on a appris, la deuxième partie, c'est on va à l'action, on passe à l'action, c'est parti, on y va. Et donc avec Action, vous avez la possibilité de gérer, enfin de créer, mener, écrire, créer, écrire, préparer, gérer votre projet de film de fiction, de web TV, etc. Donc là, en revenant à mon enseignant, comme je vous l'ai dit au début, on a deux projets. Donc le premier, c'est un projet de film, donc c'est un film de fiction, et le deuxième, c'est le projet de film 2023-2024. Là, on voit que la date de cré... il a été créé le 20 décembre. En cliquant sur les trois petits points, j'ai la possibilité d'archiver le projet ou le supprimer. En archivant tout le projet, du coup, je vais archiver l'intégralité du projet, donc tous les groupes qui sont associés au projet. Et si, du coup, je supprime, je supprime tous les groupes associés au projet. Et si vous avez des élèves qui ont commencé à mener le travail, ils ne pourront pas le poursuivre si le projet est archivé. En y regardant de plus près, donc par exemple, je veux en savoir plus sur mon projet de film. Là, en cliquant sur le projet, j'ai un tableau un peu plus détaillé de qu'est-ce qui se passe dans ce projet. Donc effectivement, j'ai toujours le nom de mon projet, le format associé à ce projet, le nom du groupe. Donc là, j'ai un seul groupe qui s'appelle groupe 1, avec les auteurs. Donc, Théana, Nelly et Karine, et la dernière étape qui a été enregistrée et la date de dernière modification. Comme précédemment, en cliquant sur les trois petits points, j'ai la possibilité cette fois-ci de télécharger le projet. Donc, ce sera un PDF qui comprendra toutes les parties de mon projet. Donc, on verra les parties tout de suite. J'ai la possibilité d'archiver ou de supprimer. Pour en savoir plus sur le projet, donc, je clique sur le petit œil. Et là, on arrive dans l'action du projet. Chaque projet étant différent, chaque format de projet étant différent, le menu sur la gauche sera différent en fonction d'un film de fiction, d'un CV vidéo, d'une web télé.
Donc, ça s'adapte en fonction du format que vous souhaitez mener avec vos élèves. Donc là, c'était un projet de film de fiction. Donc, vous voyez le menu qui s'est ouvert sur la gauche avec toutes les actions à effectuer pour arriver jusqu'à la feuille de script. Donc là, on a la thématique, le harcèlement numérique. J'ai la possibilité dans chaque chapitre de télécharger soit la partie dans laquelle je suis, donc là par exemple la thématique ou tout le projet. Et j'ai la possibilité aussi de voir le chapitre, donc ça me ramènera dans l'atelier, dans le chapitre sur la thématique, dans l'atelier film de fiction. Ensuite, le pitch, donc toutes les premières parties d'action, donc en tout cas dans la partie, dans le format film de fiction, ça comprend l'écriture du projet. Là, voilà, on a le pitch, le schéma narratif. Donc, l'idée, c'est d'accompagner vraiment pas à pas dans la réalisation du projet. Donc, on a ensuite le synopsis. Ça, ce que je vous mets là, c'est un vrai projet qu'on a avec des collégiens, il me semble, si je ne me trompe pas, avec qui on a travaillé dans le cadre de nos ateliers. Donc, c'est un vrai projet ils ont écrit dans la plateforme. Et ils ont suivi, comme je vous ai dit, les étapes de création du projet avec les ateliers et ensuite ben, coupler les ateliers à action. Donc, on a le traitement qui est ben, en fait, tout le film, qui est le synopsis détaillé en fait, du projet. Et ensuite, on a le scénario. On vous met à disposition un outil. Qui reprend les codes des outils professionnels. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez, comme un scénario classique, indiquer si c'est intérieur, extérieur, si c'est jour ou la nuit, le lieu dans votre scénario, rajouter des personnages, supprimer des personnages, rajouter des dialogues, supprimer des dialogues. Rajouter des descriptions, supprimer les descriptions. Rajouter des personnages. Par exemple, là, je vais rajouter Cécilia qui parle. L'objectif étant de créer votre scénario. Si, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours la possibilité de télécharger tout ou partie, donc la partie scénario du projet. Voilà, la partie écriture est terminée. Toutes les parties qui, après le scénario, sont reliées les unes avec les autres. Le découpage technique reprend les éléments du scénario. Donc, le lieu de ma séquence 1 était dans la salle de français, donc ça reprend la salle de français. C'est pour éviter. Mais en fait, c'est pour. L'idée là-dessus, c'est de vous concentrer sur le projet et sur l'aspect créatif en mettant de côté l'aspect technique d'un projet audiovisuel. Vous avez juste à mettre la description associée à votre échelle, à votre angle. À votre mouvement de caméra. Si vous avez oublié comment rédiger, enfin, comment remplir un découpage technique, voir chapitre. J'ai mis le tournage qui sont encore une fois associés à mon scénario. Donc, la salle de français, où est-ce qu'on va tourner, quel est mon lieu dans l'école ou à l'extérieur. Donc, là, j'ai mis ma salle 2 et la chambre d'anglais sera à la salle 1. Et le couloir du collège, ben, du coup, sera le couloir premier étage. Mon jour de tournage, donc là, j'ai mis le 29 mars. On peut télécharger toujours toute ou partie du projet. Donc, par exemple, je télécharge le tournage et je l'envoie à l'ensemble des élèves. Ou les comédiens, si c'est des comédiens qui se sont greffés au projet sans forcément qu'ils aient un compte à Silence. Enfin, des comédiens ou des techniciens. La liste des acteurs actrices, donc ça reprend les personnages du scénario.
Et là, on peut mettre ben, qui est-ce qui va jouer le professeur, qui est-ce qui va jouer le directeur et qui va jouer Célia. Pareil pour la liste technique artistique. Donc, je peux intégrer tous mes postes. Qui est-ce qui va être le réalisateur, qui va être le preneur de son, qui va être à la régie. L'épaulement des personnages, c'est vraiment pour vous permettre de. D'être prêt le jour du tournage. Par exemple, s'il faut que Rose, par exemple, elle ait un chouchou bleu dans les cheveux, dans le costume, on mettra ben, un chouchou à ne pas oublier, ou maquillage, si par exemple, il faut qu'elle ait, si le personnage, il faut qu'elle ait un rouge à lèvres ou un blush d'une certaine couleur, il faudra le mettre ici. Comme ça, on n'a rien à oublier. On se focus sur le projet. Parce que parfois, dans certains tournages, on écrit un scénario et on se rend compte qu'en fait, il faut un ballon ou en fait, il y a une scène où j'ai besoin absolument d'avoir un objet. Et ben, si je n'ai pas noté l'objet dans mon scénario ou dans mon dépouillement, là, il y a des risques que le tournage soit reporté ou rallongé parce qu'on n'a pas les éléments nécessaires, on n'a pas prévu les éléments nécessaires pour tourner. Ensuite, on a le planning. Là, j'ai mis, là, ça reprend, comme je vous l'ai dit précédemment, tous les éléments ça fait un mix entre le scénario, le découpage technique, les lieux de tournage. J'ai mis mon PAT, donc mon PAT c'est mon prêt à tourner, donc c'est à quelle heure on tourne. Mon PAT il est à 10 heures, donc la solution permet de calculer automatiquement en fonction des temps de tournage à quel moment je vais tourner chacune de mes scènes et a priori à quel moment théoriquement, parce que bon, les tournages c'est jamais, on a toujours des surprises, à quel moment j'aurai terminé. On peut également, dans gestion du planning, mettre, par exemple, changer l'ordre de. Par exemple, si on veut tourner au collège avant la salle de français, on peut changer l'ordre et on peut, par exemple, pour des tournages qui sont longs, mettre des pauses. Comme ça, j'ajoute la pause déjeuner dans mon temps de tournage, dans mon planning de tournage. Et enfin, la feuille de script, qui est un élément indispensable à avoir au tournage, qui va servir au monteur pour lui permettre de monter son film. Là, je vous ai présenté le film de fiction qui est un format qui est le plus complet, mais c'est vrai que si c'est un télévidéo, ce sera les parties d'action seront plus réduites, une émission pareille. Et aussi, bon, là, c'était un peu. Un film de fiction, il peut être court comme il peut être long. C'est des capsules, par exemple, vidéo que vous souhaitez faire ou des formats très courts. Donc, ça peut être. Vous ne pourriez pas forcément avoir besoin de tout ce que je vous ai dit là. Par exemple, le planning, si c'est sur un jour ou si c'est des capsules ou c'est un élève qui va filmer face caméra pour présenter un livre ou un projet qu'il a mis en place. C'est vrai que ce sera plus court et. Il y a des éléments que vous n'aurez pas forcément besoin de remplir ou d'écrire. Voilà, mais on a voulu vous mettre quelque chose qui soit le plus complet possible pour que vous puissiez aussi bien faire des projets qui sont ambitieux ou des projets sur un temps très limité. Et enfin, donc je vous ai parlé de la feuille de script qui est un document indispensable à avoir au tournage pour le montage. Et enfin, Silence inclut une plateforme de montage pour vous permettre de monter vos projets. L'outil de montage est en anglais pour le moment, mais c'est un outil qui est très simple et en plus, on vous a mis dans la partie atelier un cours sur monter avec Silence. Donc là, vous pouvez par exemple commencer avec des templates. Ou créer from scratch, donc à partir de zéro, un projet. Une fois que vous avez tourné votre film, votre capsule, votre contenu,
On importe les rushs, on les téléverse dans la plateforme et ensuite on monte en ajoutant des transitions, du texte pour dynamiser le tout. Et ensuite, quand on a fini, on exporte la vidéo. Vous pouvez, en fonction des projets, inviter des enseignants, vos collègues ou vos élèves. Vous avez également la possibilité, ça je vous l'ai mis aussi dans toute la marche à suivre dans la documentation. Vous avez la possibilité de créer des classes dans lesquelles vous pouvez mettre vos élèves et dans lesquelles vous pouvez créer des montages de groupe ou des montages individuels. Voilà, tout en dans le même esprit d'action. Dans la partie montage, vous pouvez aussi mettre en place des projets, des montages de groupe pour monter vos projets en commun, de groupe ou individuel. En revenant à la page d'accueil, donc je vous ai parlé des trois parties des trois parties de silence. Dans cette plateforme, vous avez aussi différentes informations. La première, c'est que la plateforme des élèves est légèrement différente. Donc, en cliquant sur profil élève, vous avez la possibilité de voir comment, à quoi ressemble la plateforme côté élève. Donc, elle ressemble à ceci. Elle ressemble à ceci. Donc, vous avez les mêmes éléments. Ils ont les mêmes éléments que les vôtres. Donc, la partie atelier, la partie action et la partie montage. Ils ont aussi la possibilité de créer, comme vous, des projets individuels, mais c'est des projets que vous ne pourrez pas voir. Et à chaque fois que vous créez un projet de groupe en intégrant vos élèves, ils ont la possibilité de le voir ici, apparaître automatiquement. Ils n'ont rien besoin de faire. En revenant sur votre plateau, en cliquant sur mes élèves, vous avez la possibilité de voir tous les élèves connectés à la ressource en fonction de leur classe. Donc là, j'ai toutes les classes de l'établissement. Ça, c'est pour les élèves, les enseignants qui n'ont pas forcément de classe attitrée. Donc, on a permis à. Donc, on a, ils ont la, on a la possibilité d'afficher tous les élèves de l'établissement. Si vous souhaitez, par exemple, vous souhaitez travailler qu'avec une classe, il suffit de cliquer sur votre profil ici en haut à droite et de cliquer sur classe et de choisir la classe que vous voulez afficher dans l'établissement. Là, par exemple, moi, j'ai choisi d'afficher tout l'établissement de l'enseignant. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, à me les poser. Je vous mets mon contact. Si vous avez mon contact, je vous ai mis mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Si vous souhaitez me poser des questions sur la ressource, sur les projets, si vous avez mené des projets audiovisuels ou si vous souhaitez mener des projets audiovisuels et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez texter la ressource, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci. Je vous dis à bientôt. Et bah, j'espère vous retrouver de l'autre côté, de l'autre côté, via la plateforme. Vous avez toujours la possibilité, je ne vous ai pas montré, mais via la plateforme, vous avez la possibilité de nous contacter à tout moment. Vous avez un onglet chat en bas à droite. Je vais vous le remontrer ici. En bas à droite, vous avez un onglet chat. Et dans cet onglet chat, vous avez la possibilité de nous contacter.
me poser des questions. Si vous rencontrez des problèmes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.